Pater omnipotens, glorificamus te. Pater omnipotens, glorificamus te. Pater omnipotens, glorificamus te. Pater omnipotens, glorificamus te. Je suis parti loin de ma maison, très loin, au-delà des contrées. Ici, là-bas et plus loin encore, j'ai cherché et n'ai rien trouvé. Car j'ignorais que le trésor est en moi. Savoir attendre.
comme par erreur. Quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent la miroir. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir mourir et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre. Qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver, à rêver pour ne rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure. Apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout. Apprendre à aimer et s'en aller, et s'en aller. Ça se
chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. L'on y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Le troisième
ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas. Parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit créée. Dieu fit la lumière. Dieu trouva que la lumière est bonne.
bonne, alors il la sépara des ténèbres. Il sépara lumière et ténèbres. Et il y eut un soir, un matin, Dieu pensa que tout cela était bel et bon. C'est ainsi que ce fut le premier jour. Qui domine sur la terre. Homme et femme, alors il créa l'humain, un homme, une femme. Vous louerez les bienfaits de la terre, de l'univers vous serez souverain. Et multipliez-vous mes enfants, et remplissez la terre, c'est mon vœu. J'ai créé pour vous ce jardin, respectez-le. N'oubliez pas que Dieu veille sur vous. Ainsi Dieu créa encore et encore les éléments et les saisons. Les étoiles, lune, soleil, planète, continent, les déserts et les mers et tous les océans. Garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids,
s'écrie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix les fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qui traîne. Je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'onté, par le baiser perdu, par l'amour redonné et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie. Par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paix, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. Je
J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux, mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a été assassinée dans les chambres à gaz. C'est le Christ. Il porte des guenilles. C'est le Christ. Elle est en prison. C'est le Christ. Il est immigré. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle agonise sur son lit de souffrance. C'est le Christ. Il est sale, il sent mauvais, il mendie. C'est le Christ. Elle se drogue. C'est le Christ. Il est battu à mort. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Elle a faim, il a soif, c'est le Christ. Il est condamné à mort, c'est le Christ. Elle se prostitue, c'est le Christ. Il a été torturé, c'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Il est homosexuel, sa famille l'a chassé. C'est le Christ. Elle est séropositive. C'est le Christ. Il hurle la colère de ses pourquoi. C'est le Christ. Elle a tenté de se suicider. C'est le Christ. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne me cache pas ton visage. Seigneur, comment te reconnaître sous le visage défiguré de chacune de ces personnes malmenées, méprisées, cassées? Tu as donné ta vie pour elles. Avec toi, l'amour est écartelé sur la croix. Mais nous ne voyons plus tes membres transpercés sur deux bouts de bois, aveuglés que nous sommes par l'habitude de la croix. Ton chemin est celui de tout homme. Chemin de croix, chemin de mort, il peut devenir chemin de vie. Mettre ses pas dans tes pas sur ton chemin de souffrance, c'est se laisser entraîner vers la lumière de la résurrection, où l'amour crucifié devient amour transfiguré. Thank you.
les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. L'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Sur le seuil de sa maison, notre père t'attend. Eh bien, personne ne l'a vu. L'indifférence. L'indifférence. Dieu n'écoute même plus quand tu leur causes. Vous aimez et vous avez un lit qui danse. Mais elle vous guette et joue au chat à la souris. Mon jour viendra, qu'elle se dit. L'indifférence. L'indifférence. Sera Noël. Ô toi Marie qui es au ciel, sois attentive à sa prière. Réponds-lui comme une amie, vois sa tristesse aujourd'hui. Tu m'entends? Si oui,
celui de Bethléem. Ô toi, Marie, on t'en prie. Marie, fais ton possible pour enfin leur ramener celui qui les a quittés.
Chers amis, nous n'hésitons pas à vous appeler ainsi sans vous connaître. Vous avez voulu participer à la belle aventure de Spiritus Dei et vous êtes devenus nos amis. Depuis le premier passage des prêtres à la télévision et après avoir écouté le CD, vous avez été très nombreux à nous adresser des messages d'amitié par tous les moyens à notre disposition aujourd'hui. Mail, SMS, téléphone et bien sûr lettres. Ces centaines de lettres qui nous sont parvenues depuis la France et de l'étranger. C'est ainsi que des liens d'amitié se sont créés. Dans ces messages, vous nous remerciez pour l'instant de bonheur que vous a apporté l'écoute du CD. Les phrases qui reviennent souvent sont « Le CD m'apporte la paix, la sérénité, me redonne du courage. L'écouter me fait du bien. Il m'a donné le désir de retourner à la messe, de m'interroger sur ma relation à Dieu. Vous m'avez réconcilié avec l'Église. Je prie le matin et le soir à l'écoute du CD. Je l'écoute en boucle dans ma voiture le matin en partant au travail. » Nous avons souvent été émus par les témoignages de vie que certains ont voulu partager avec nous. Joie, peine, épreuves diverses, maladies, séparation, divorce, décès, détention. Ces personnes étaient de toutes les générations, de tous milieux, croyantes ou incroyantes. Plus étonnant encore, de ce que l'on appelle dans l'Église les diverses sensibilités. Certains ont dit que ce CD était rassembleur. Aujourd'hui, c'est à nous de vous dire merci. Merci pour le réconfort que nous ont apporté vos témoignages. Merci pour votre confiance. L'inattendu et étonnant succès que connaît cet album, c'est à vous que nous le devons. Au début de cette aventure, l'objectif de l'association Spirale était de trouver des fonds pour une école à Madagascar et la construction d'une nouvelle église au sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes. C'est toujours le cas. Et aujourd'hui, nous réalisons que nous avons rejoint de surcroît le cœur d'un grand nombre d'entre vous. S'il a été légitime pour nous, prêtres, d'avoir réalisé le CD Spiritus Dei dans l'espoir de récolter des fonds, c'est une bien plus belle récompense pour nous de voir des cœurs meurtris se trouver pacifiés, reprendre espoir, croire à nouveau en un amour possible. Merci pour votre générosité. Nous savons que beaucoup se sont procurés le CD pour apporter leur contribution à nos projets. Certains ont été surpris du succès de cet album. Nous aussi. Comment ne pas s'étonner de recevoir des invitations à les chanter dans les quatre coins du monde ? Mais après réflexion, on peut se demander si quelqu'un d'autre ne l'aurait pas pris en charge. Car au fond, qu'y a-t-il de plus important que lui ? Qu'y a-t-il de plus important que le Christ ? Un jeune homme demande un jour à un sage « Mais après tout, Dieu existe-t-il ? » Et l'ancien de lui répondre « Mon ami, ce qui est le plus essentiel dans le monde, c'est Dieu. Il existe ou qu'il n'existe pas. » Jean-Michel Di Falco, Jean-Michel Bardet, Charles Trush, Joseph Nguyen Dinh Nguyen, vous disent merci.